connaît tous les classiques objets de chasse aux fantômes. Caméra thermale pour voir les sources de chaleur, une plaque de Ouija pour communiquer avec les esprits, un capteur de champ magnétique, ces affaires-là, et des cartes de tarot. Mais est-ce que ça marche vraiment? Hein? Y a-t-il quelqu'un? Je sais pas si les fantômes existent, mais c'est ce qu'on va voir parce que dans ce vlog, on dort une nuit dans l'hôtel le plus hanté du Québec. Puis on fête aussi la fête Aïssa dans un resto méga fancy. Et je vous parle du meet-up. Checkez, ça va avoir lieu ici. Wow, c'est merveilleux. On va avoir tellement de plaisir dans cet endroit. C'est au 276 rue Saint-Jacques. Venez en métro. Métro Place d'Armes, on ouvre les portes à 13h. C'est sûr que là... Attends. Chahine, qu'est-ce que tu filmais? Je filmais l'endroit, comment ça va être décoré, il va avoir comme ton salon, on va recréer ton salon ici. Tu filmais-tu mes fesses? Ouais. Ça a l'air de rien comme ça, mais décoré, ça va être fire. C'est ça, ça a l'air de rien, mais il va avoir de la musique, un stand de merch. Il va avoir de la merch? La merch va être exclusive juste pour l'événement, pour que vous puissiez avoir comme preuve pour le restant de votre vie que vous étiez abonné avant les 100 000. J'aurais voulu avoir ça, moi, pour ma chaîne. Il va y avoir un kiosque de la SPCA, il va y avoir du beau monde, tout le monde va être là. Il va y avoir des invités spéciales, tu sais. Est-ce que ta mère va être là? Oui. Vous venez pour le meet-up? Beaucoup. J'ai littéralement aucune idée à quoi m'attendre, à part que on a un vlog qui commence et on reprend avec moi puis Farley qui revient du camping et attention, on est lettre. Bon vlog. Kali, je vais juste me détacher, je vais prendre quelque chose dans le bac, c'est correct? Ouais. Oh! Non! Il y a des enfants qui regardent. Mais tabarnak! Ça pue pour vrai? Ça sent le camping! Ça pue. Bref, je suis allée porter Farley et je suis allée chercher mes clés d'appart chez Cheyenne et Isaac qui étaient bien excités pour mon 100 000 abonnés. Congratulations! Je suis retournée voir mon fils. Allô? Et le lendemain, j'étais en détresse et j'avais besoin d'assistance. Une chose à propos de moi, c'est que j'ai toujours été nulle à chier, faire l'épicerie. De un, je manque de temps dans la vie. Et de deux, je sais pas vraiment comment bien cuisiner, fait que je sais pas quoi acheter dans le fond. C'est vraiment loser de ma part parce que j'ai 25 ans. Mais ça donne que j'ai une amie qui est la queen de faire l'épicerie puis de trouver ce qui est bon puis qui cuisine extrêmement bien. Et elle s'appelle Isabelle. Vous la connaissez? On l'applaudit! Ben pas là, là, mais je m'en vais chercher. J'ai eu une super nouvelle ce matin. Dans le fond, j'ai la confirmation que je ne suis pas enceinte. Yes! Non, mais on va se le dire, OK? Les menstruations, là, à quoi ça sert à pas faire mal? Hein? Hein? J'aimerais ça aussi aller chez Mondou avec Isa pour acheter un nouvel arbre à chat à Ernie et mon futur chat. I love your fit! Really? Yeah! Thank you! Okay. Ah, je suis trop contente, je suis vraiment en mode dépression, ça. Ah ouais? Je vais être dans ma semaine, je suis en mode dépression. On est des tout! I am right now! Après ce moment de complicité menstruelle, Isa a commencé à me parler avec passion de nourriture et c'était legit inspirant. Le best, c'est Costco, honnêtement, pour toi. Acheter comme un sac de petits poulets, là, le petit poulet au Costco, là, je n'en parlerai jamais assez du petit poulet au Costco dans le sac rose transparent parce que c'est des petits poulets individuels. La grandeur du petit poulet est parfaite. Tu prends trois morceaux puis c'est parfait. Puis il est fait pour le prendre congelé puis le mettre direct dans le poêle, même s'il est congelé, genre. Parce que tu sais, la clé, c'est qu'est-ce qui va être rapide? C'est très rapide, là. Très! Bref, on est allé chez Mondou pour acheter des goodies à mes chats, puis j'ai à peine filmé pendant l'épicerie parce que Isa t'a runné ça, mais checké ce que j'ai acheté. Ernie, viens, on fait un haul! Oh yeah! Moum, moum, moum. Donc, excuse. Premièrement, j'ai acheté. Je te connais, hein? Si vous avez des chats, je vous les recommande, ça vire fou. Check ça, c'est instantané. Bonsoir, il est parti! J'ai acheté un arbre à chat, ça, à mettre sur le coin d'un mur. J'ai jamais essayé ça, on va voir si c'est à bout de la merde ou pas, avec du pot à chat. Ensuite, j'ai acheté un gant comme ça. T'aimes-tu ça? Oh là là! Ensuite, le petit poulet que les gens me parlaient. Des œufs. Comme celle-ci. Le piment. Un tonton, des oignons. Pâte à biscuits au sucre, il n'y a pas de lait dedans. Isa m'a recommandé cette sauce teriyaki-là. Dijon à l'ancienne pour faire mariner du poulet. Puis du saumon aussi, c'est bon. Tomate en dés. Huile d'olive, extra vierge, pois chiche. Crispers. Des bonbons. Tomates séchées, moi je capote là-dessus. Tout ça.
du jambon, des oignons verts, crisp, c'est donc un chaud. Brocoli. Bœuf haché, extra maigre. Moi, je vais le séparer en portions déjà individuelles. Comme ça, t'as pas besoin de le dégeler au complet pour... Tiens, on comprend? J'ai acheté ce papier cuir également. Rangement. J'ai rangé mes achats et là, on saute au souper de fête d'Isabelle. Donc, Farley et moi, on s'est rendus chez eux, mais Farley a vécu un gros malaise avant d'embarquer dans l'ascenseur. On marchait dans le lobby, puis là, ma mère m'a dit « Oh my God, I love your outfit! » Puis j'étais là « Me? » Puis elle a fait « Non! » Puis elle pointe allée, puis j'étais là « Oh non! » Mais il est vraiment cool ton outfit par contre, ma chérie. Je tiens à le préciser, mais... It was for me! Comme ça, je cogne maintenant. Oh! Look at you! Thank you. Wow. On a salué tout le monde et on s'est mis en route vers le resto avec Alex et sa blonde. Oh mon Dieu, mais what are you doing? Ce qu'on ignorait, c'est qu'on s'en allait dans un resto méga fancy, ce qui veut dire pas très abordable. Moi, je dois prendre une huître à 15$, c'est ça. Parce que j'ai pas vraiment le budget pour plus que une. Oh, ça, c'est 1,85$. Je vois. Non, ma chérie, c'est 185$. Finalement, on a partagé plein de plats entre nous, puis on a réalisé que la relation de Farley et moi confuse plus de monde qu'on pensait. Sandrine a pensé qu'on sortait ensemble. Babe, moi, je follow pas vous. I don't know. Attends, on n'est pas ensemble? Oui, on est ensemble. On a parlé la dernière fois pendant que tu dormais. Mais tu dormais? Non, mais tu me dis, oui, je t'aime. Non, mais tu dormais? On va le prendre comme un compliment sur notre amitié, I guess. On a chanté Bonne fête à Isa, on a mangé le gâteau et payé nos factures dispendieuses et on est allé se coucher parce qu'on avait une grosse journée le lendemain. Mais avant, faut que je vous parle de quelque chose. J'ai quelque chose de gros à vous annoncer. Ça fait plus qu'un an et demi que je vlog ma vie à tous les jours puis que je mets ça sur YouTube. Puis si vous regardez les vlogs, ben vous le savez, mon chat Ernie a une place hyper importante dans ma vie. Sauf que Ernie, il y a un problème. Si vous regardez les vlogs, vous savez que Ernie pleure souvent. Ben là... C'est un chat qui a extrêmement besoin de jouer, puis je suis pas capable par moi-même de fournir assez. J'ai décidé que je vais avoir recours à la SPCA pour lui. Dans le fond, Ernie a un nouveau frère. Il est trop cute. C'est un bébé, il a 6 mois, il joue déjà beaucoup avec Ernie. Son nom c'est... C'est quoi ton nom? Ben c'est ça. Il n'y en a pas. Puis c'est là que j'ai besoin de vous. Ce samedi, le 19 octobre, j'organise un meet-up pour célébrer mes 100 000 abonnés. Puis si vous venez au meet-up, ben un de vous va pouvoir choisir le nom de mon nouveau bébé. Genre, cette affaire-là, là, vous pourriez choisir son nom. Il pourrait s'appeler Robert, comme il pourrait s'appeler... Sakamar. Comment? Sakamar. Oh, Mohamed. Puis là, Shane et Farley sont là. Je veux juste vous montrer l'état de mon appartement. Là. Mon appartement est en bordel. J'ai tellement de trucs pour le meet-up. C'est la grosse organisation. On sait pas il y a combien de personnes qui vont venir. Il pourrait avoir 5 personnes. Ou il pourrait avoir Ernie. Je vais vous montrer là, le processus d'adoption de mon autre chat. J'aimerais bien dire son nom, mais s'il y en a pas. Dans le prochain vlog, on est allé à la SPCA en gang. Puis on est allé l'adopter. Mmh. Oh, c'est fesse. Je vous montre mon appart. Là. Premièrement, il y a ces épaves-là. Déchets. C'est tellement le bordel là. Gab, il vient au meet-up. Il arrive quand? J'ai besoin qu'il vienne ramasser. Ça, c'est ma cuisine. Au secours, à l'aide. Ben, c'est l'état de ta cuisine tout le temps. Ta gueule. Ta gueule, attendez. J'ai reçu des fleurs pour mes 100 000 abonnés. Merci. Hey, Mio! Ensuite. Chiqui. Bébé. Ouais, tu vas lui laisser choisir son nom? Mais contrôle ta vie au complet. C'est qui va choisir son nom? Ben, les gens qui viennent au meet-up. Dans le fond, il va avoir un kiosque de la SPCA. Puis pour chaque tranche de don de 5$, ils vont avoir un coupon qu'ils vont pouvoir écrire une suggestion de nom. Puis le mettre dans une boîte dans laquelle je vais piger. Oh. Ok, mais est-ce que moi, je peux donner des suggestions? Si tu fais des dons, oui. Oh mon Dieu, je vais tellement dire des noms de merde, guys. Si vous donnez des noms de merde, ça va vous donner un thumbs up. Moi, je vais mettre 500$, je vais avoir 100 suggestions. Des quoi? 100 suggestions. Je vais l'appeler Farley. Non, là. J'ai déjà une chienne qui s'appelle Farley, c'est assez. C'est là-dedans que vous allez pouvoir mettre les noms, là. Tu sais, puis à la fin, je vais faire ça de même. Mmh. Roger, je sais pas, tu sais. J'étais en train de manger mon pudding chômeur, toi. J'ai allé tout de suite. Hein? Y'a-tu mangé ton pudding chômeur? Oui. Jake, il est chez Babine. Faut pas que tu laisses traîner ça avec un bébé dans la pièce, Big, mon enfant. Fais voir l'enfant. Hein? On fait un hall.
Bonne soirée! Ok, ça c'est. Ça c'est. Ça c'est. Mais... Boxing! Ça, c'est tout des trucs pour le meet-up. Ça, c'est... Wow, des crayons! Pas n'importe quel crayon, c'est des crayons qui vont écrire des noms. C'est ça, parce que à l'endos de ces coupons-là, vous allez pouvoir écrire les noms. Pis c'est ça qui va aller dans la boîte. Exactement. Ça, c'est l'adresse pour samedi. On retourne au vlog, pis sinon, ben... On se voit là. Je peux pas croire que je suis rendue avec deux bébés trop mignons. Mais ce que je peux pas croire aussi, c'est qu'on prend la route pour aller dans la ville de Québec parce qu'on va au spectacle de Billie Eilish. C'est le premier show de sa tournée mondiale, donc on a aucune idée le spectacle va ressembler à quoi. Et en plus de ça, j'ai réservé une nuit dans l'hôtel le plus hanté du Québec. Le Château Frontenac. On a déjà visité cet hôtel assez grandiose, mais là, notre mission est d'aller voir si cet hôtel est réellement hanté. Comme vous savez, le Château Frontenac est un bâtiment historique. Il a été construit en 1892 et il y a quelques histoires paranormales que je vais lire plus tard à mes trois oisons qui m'accompagnent. Il y a Farley, Jérôme et Gab Gagnon qui s'en viennent nous rejoindre et pendant la route vers Québec, on avait du gros plaisir sale. Dans le fond, il y a un bug avec Spotify, fait que voilà comment on fait la route. Quoi de neuf? Ben moi hier, j'ai fait du montage avec un nouveau monteur. Non! Oui! Hey. C'est fun, on va voir ce que ça peut amener pour la chaîne. Nice. Je suis assez optimiste là. Oui, et toi? Non, rien. Pas Jérôme? Non, non, il demande pas à Jérôme. De toute façon, on sait qu'il n'y a rien. Il y a rien. Il est bon le café, hein? Saint-Hyacinthe. C'est beau dehors. Oui. Il reste à environ 2 heures. Ah oui. Les jeunes de nos jours. Hein? Moi, j'ai appelé ça à nous. Tu me dis, ça fait 15 minutes qu'on est parti. Moi, non. Ben, correct. Mais sérieuse, on vient d'arriver. Ben, non. Pas sérieuse, là. Tu me le dirais? Ben, oui. Ça comptait-tu quand tu viens de me le dire? Des blagues. Ok. Sens-toi bien à l'aise. Ok. Merci. Moi, il marche, mais c'est pas les fins. Ouais, ta gueule, est-ce qu'il arrête de te vanter? Oui, non, t'as pas. Hey, c'est pas qui t'a fait, ça. T'es privilégié, ben... ça paraît, d'un homme blanc gay. Gay. Qui est privilégié. J'ai minoritaire dans ta gueule, là. Mais c'est ça. Pas parce que tu serais emprisonné en Russie que tu peux te permettre de dire des choses. Exactement. Exactement. On va t'amener en Russie, moi. Oui. On fait ça un concours de route. Ouais. Vas-y, toi, tu commences. Oh! Mais je veux pas le faire finalement, je t'ai juste laissé rôder. On a fait un pipi stop, puis même le journal parlait des gens qui font du camping pour Billie Eilish, et on a repris la route pour finalement arriver au Château Frontenac pour voir nos amis les fantômes. We're here! L'hôtel est hanté, hein? Ah non, le valet aura jamais conduit un char aussi laid que ça au Château. Mais je sais, mon char il fait tellement de bruit, la gang, là. La dernière fois qu'on est venu, on avait l'auto à Gab qui est un char, quoi, 2018. Moi, ouais. Ouais, c'est un 2013 manuel qui pue la merde. Il y a des scratchs ouais, partout. Juste... Bonjour. Besoin d'aide, j'arrive à l'hôtel. Ouais, on check-in dans le fond. Je souhaite la bienvenue au Fermo Château. Yes! La réservation est à quel nom? Alicia Brassard. Il pensait pas qu'on venait ici parce qu'on est vraiment tout croche. Je pensais qu'on venait juste planer. C'est quand même sans travail. On a donné nos bagages au valet et il y avait vraiment beaucoup de trucs aléatoires. Et on est entré dans le château, ce qui était une première fois pour Jérôme. C'est tellement beau! Live, ça a l'air de rien. Mais c'est quand la nuit tombe que ça devient sérieux. Non. Bonjour! On a fait notre check-in et on s'est rendu à notre chambre. We're back! Ils nous voient arriver, ils sont là. Tabarnak! Encore! Et on sent bien les déranger en plus, là. Mais on va vous lire c'est quoi les histoires qu'il y a, puis on va debunk les faits. C'est crazy! Il y a un gros yacht! Ok, voilà. C'est quoi, nous? 8-2-6-2. Moi, j'ai 8-2-6-3. On est pas dans la main. Il faut le faire, ok? Ok. Je m'excuse d'avance. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Non! Ah, puis en passant, Jay, vu que t'es pas au courant, là, si tu prends des trucs dans le frigo, ça va être chargé sur la carte à aller. Ouais, fait que juste prendre tout. Ben oui, un peu. Mais non, non, c'est juste. Hey, ça a tombé la bon, ça. Non, arrête. Waouh! Il y a plein d'alcool. Au secours. Au secours. Non! Les fantômes, sérieux! Aidez-moi! Tu vois, t'es là. Tu te fais pogner de même. Room tour!
Voici la chambre qu'on avait. Oui, j'ai bien dit « avait », parce que pendant que je faisais le room tour, on a reçu l'appel de quelqu'un qui travaille pour le Château Frontenac qui nous souhaitait la bienvenue et qui voulait nous « upgrade » de chambre. Sauf que pour une raison ou une autre, le téléphone a buggé et ça l'a raccroché. Faut que tu raccroches. Non, c'est ça. Exact. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Rapport. Oui, ça l'a raccroché. Donc, on a eu la confirmation qu'on allait changer de chambre et après le bug de téléphone, c'était autour de ma caméra de bug pour aucune raison. Non, j'ai un problème avec ma cam, tabarnak. Le focus de ma caméra ne se faisait pas, donc après avoir gossé 15 minutes après, j'ai réussi à régler le problème. Ok, je veux pas faire cliché, mais... Depuis qu'on est arrivé, on parle de fantômes, ok? Puis on acknowledge le fait qu'il y a peut-être des fantômes ici. J'ai jamais eu de bug de caméra. À part mon micro, c'était mon fil qui était brisé. Mais là, ma caméra, pour la première fois de ma vie, elle me buguait dans les mains, là. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on filme, genre? Anyways, parlant de choses qui font peur, Gabi est arrivée et on s'est dirigé vers notre nouvelle chambre qui est une suite. Ok. Oh! L'avoue! Okay. Now you talk about an upgrade. Pendant que je faisais le room tour, on a reçu une surprise à notre porte de chambre. Yes. Dans le fond, fouillez-moi pourquoi, mais le Château Frontenac nous a envoyé un plateau plein de cadeaux. Genre, pardon? Mais voyons! On venait juste de dire qu'on avait faim en plus. Bon, c'est vrai! Ça donne bien que je laisse ici notre brassard. Merci fou! Merci! Ben voyons donc! Quand j'ai fait la réservation, ils m'ont demandé comment je voulais me faire appeler et j'ai dit « docteur ». Fait que c'est écrit « docteur Alicia Brassard ». Cher docteur Brassard, bonjour et bienvenue au Fermont le Château Frontenac. C'est un immense plaisir de vous accueillir parmi nous. Nous vous souhaitons de passer un agréable séjour parmi nous. Tout notre personnel demeure à votre disposition. Ok, on prend une fraise tout en même temps. S'il y a un fantôme qui veut une fraise, tu peux la prendre. Oh, la fraise, elle fait juste... T'as le fantôme toutoune! C'est-tu du chocolat au lait ou du chocolat noir? Ben dans le fond, c'est pas nous qui l'a fait, fait qu'on sait pas. Cheers! Cheers! Les fraises sont exquises. Ouais. Pardon! Wow, là! Je me sens romantique. J'ai mangé la queue. T'es pas habitué de faire ça, hein? Non! Beurre d'érable, sirop d'érable, un maracas. Ouais, une affaire à miel. Oui. Dans le fond, on appelle ça une blague. Merci Château Frontenac pour le cadeau. Premier phénomène paranormal dans la chambre. Regardez le foyer. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On dirait une face. Il y a une face ici dans le foyer. Big! Ça fait peur là! Tu le vois-tu, gars? Ben non, je le vois pas, moi. Mais rapproche-toi, là. Comme là. Ça là, c'est les deux, comme l'ombre des yeux, le nez, genre la bouche. Oh mon dieu. Ah ok, oui, je la vois là. C'est pour ça qu'il est fermé, c'est parce que quelqu'un a été brûlé dans le foyer. Puis là, il est mort, il a fait puis il est mort de même. Bon, sur cette pertinence, j'ai fait quelque chose d'autre d'hyper pertinent. J'ai caché mon bébé dans la bolle de toilette pour faire peur aux autres et pendant que j'installais ma caméra, c'est Gabi qui est allée aux toilettes. Ah, c'est quoi ça? C'est qui a mis ça là? Non! Hey, 4,99. Ah! Oh, c'est pas la cochonnerie que t'as acheté ton bébé la dernière fois? Non! Non, c'est pas... Hey, c'est un crème, tu vois. J'ai encore des traces dans mes chutes, dans mes chaussures, c'est-tu dedans? Parce qu'il m'empêche de venir faire d'eau, ben. Ok, non, en fait, c'est... Ah! On se prépare? Oui! On s'est préparé pour le show et pour optimiser notre temps, Gabi a pris sa douche pendant que je faisais mes cheveux et ça m'a donné une idée. Faites-moi quelque chose de chant, ok? Oui! T'as gagné un prix surprise! Oh oui? Oui. Tu veux savoir c'est quoi? Oui. Oh! Oh, les gars, c'est sale, c'est très tentant!
bon tabarnak. Ok, hey, si vous likez et vous vous abonnez, on a 10 000 likes, j'enlève les bonnes choses. À 10 000 likes, garde ça pour un. Ouais, il est déjà passé. Ça veut pas ça avec moi? Pour trouver des 5 bains balasses, là. Ben, on avait déjà parlé de faire ça quand on était coloc, là. Ah, dans le temps qu'on était coloc, là. On vient qu'on s'en rappelle plus. C'est sûr. Après, on s'aimait tellement. Eh, hey, ben oui, c'était de l'harmonie. Pour vrai, tous ceux qui sont allés en colocation que je connais, sont même plus allés aujourd'hui parce que ça brise des amitiés. Puis en plus, on était dans une situation particulière, là. C'était pas une colocation normale. Ouais, parce que tu que je paye pas, c'est ça, là. Shout out. Bref, on a fini de se préparer et voici nos outfits pour le spectacle. Je suis pas capable de rien faire, jamais, hostie. C'est vrai, mais on t'aime pareil. C'est... Ça pointe vers Billie Eilish. Faut y aller. On a foutu le bordel, hostie. Il y a quelqu'un qui a fait tomber le miel. Tabarnak. C'est toi? Non, c'est Gare. C'est-tu toi, Farley, pour vrai? Depuis tantôt. Je te fais pas le dire. On est arrivé au centre Vidéotron et on était bien excités parce qu'on était les premiers à voir ce show-là. N'importe quel spectacle, ben Farley était lette. On est de retour du spectacle, on est drainés, mais les fantômes nous attendent. C'était tellement nice. Personne n'a demandé. Ah. On se met en pigelette et puis on commence la chasse. Il était passé minuit et j'étais hyper fatiguée, donc je me suis fait un café pour me réveiller. Et voici ce que Farley a fait avec mon café. On me voit-tu, Farley? Oh! T'es tellement beauté, là. Mes gogoons! C'est un esprit qui a fait ça. On t'a su du café avec une solette blanche. Oh, ça là, c'est des petits moments qui sont quand même comiques. Mais tu vois, pourquoi t'as chié à terre? Je lis les histoires hantées. Première histoire. Plusieurs personnes disent avoir rencontré le spectre d'une jeune femme en chemise de nuit. Ta gueule là, c'est pas vrai. Hein? Montre. Madame en bébé doll. Oui. Louis de Buade, comte de Frontenac et gouverneur général de la Nouvelle-France au... je suis pas capable de lire en chiffre romain. XVII. 17e siècle. Merci de m'avoir carry là-dessus. Erre lui aussi dans le château à la recherche de sa fiancée. C'est une histoire d'amour. Ben là... Qu'est-ce que ça, c'était l'air? Que là, il voulait comme les... Tu sais, c'était trop tout, là. Juste... Moi, j'ai un recording de ce que les gens entendent la nuit dans une chambre au 7e étage. Ça, c'est du monde qui crie, là. T'entends les hauts secours. C'est ça, ma chérie, c'est pas des fantômes. C'est la chambre d'à côté qui ont bien du fun. On joue à Ouija. Non, ça me work. J'ai vraiment la chienne de jouer à ça. C'est pas des jokes. Ok, on fait. Oui. Avec nous. Ok, on va juste. On veut fucking parler aux esprits. Pour vrai, s'il y a des esprits dans la pièce, on veut vous parler. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Y en a-tu live? Ben, y en a-tu live? C'est quoi qui est pas clair? C'est des fantômes de la Nouvelle-France, tabarnak, qui parlent pas de même, là. Êtes-vous de présent en ce moment?
Mais il parlait pas de même non plus. Ben là, je suis allé chier là-bas. Est-ce qu'il y a une présence... masculine? Non. Est-ce qu'il y a une présence parmi nous? Mais tabarnak, non! Ce sera pas évident comme chasse aux fantômes, je vous le dis. Puis là, Jérôme a eu la brillante idée de sortir l'outil qui calcule le magnétisme. Je vous jure. Regardez, là. Tu dis de la merde? Non, ils l'ont vu. Il y a eu jusqu'au troisième. Mais c'est peut-être à cause de la statistique. Mais là, il est parti ou il a fait peur? Wow! Hey, ça, c'est vargeux, là. 1, 2, 7. Statistique. C'est peut-être à cause de la statistique. Ah, oh, non. Peut-être à cause de la statistique. Ah! No way! Ain't no way! Attends. C'est ça. C'est ça. C'est hanté. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu rien. Pinky swear. Okay. Personne pousse. Non, personne moi, pousse. Je pousse pas. Moi, j'ai ma caméra thermale ici. Jérôme. Je suis chaud. T'es dégueulasse en thermale. C'est quoi ton nom? Il est gêné. C'est quoi le titre de ta tune préf de Aya Nakamura? Oh. Jean. Non, mais ça vient de LA, ça pourrait parler en anglais. Oh, fucking hell. C'est ça. Put your fingers up in this bitch. Are you gay? Ah, oh, yeah. C'est ça. Oh là. Girl! I knew! Are you a boy? Mettez son nom, je veux que ce soit une lesbienne. S'il vous plaît, là. Est-ce que vous arrêtez de. Mais arrêtez de le tirer vers le gay, là! On veut une lesbienne, tabarnak! Non, mmh. C'est notre fantôme lesbienne. Allez, elle prend qu'est-ce qu'elle peut, hein? Vu que ça marchait pas, on a décidé d'aller chercher des entités dans le château, mais j'ai décidé de prank mes imbéciles avant. Avant de venir au château, j'ai acheté sur Amazon une robe de nuit ainsi qu'une perruque pour leur faire peur, donc voici ce que ça donne. No way! Oh mon Dieu! Non? J'ai jamais vu quelque chose de let. Vous y avez pas écrit, ben j'ai encore l'étiquette là. Ah, oh, c'est ça. Attendez. Ouais. Pendant qu'on ramassait nos outils pour quitter, Gabi est sortie de la salle de bain comme ça. Non! Je me suis assise à la toilette, là, puis j'ai commencé à saigner du nez. Non! Moi, j'ai saigné du nez tantôt aussi. Oui, c'est vrai, elle était dans la douche tout nu, puis il fallait que j'aille porter des Kleenex. Ben, t'as aimé ça? Oui. Bon. Donc voilà un autre truc louche inexpliqué, mais là, on part à la chasse aux fantômes dans le château au beau milieu de la nuit. Petit goodbye, hein. Prends pas, on va y aller. Juste te rappeler que tout habille même en public. Hey, ça fait peur, le détache, là. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décolle ici. Ouais, c'est ça. J'ai entendu parler. Pour être honnête, on a cherché partout, mais la seule affaire des parents, c'était ma perruque, et nos outils nous disaient rien qu'on savait pas déjà. Ah, ça a dit Gab et Fif. Non. Guys. C'est qui a chié dans l'ascenseur? Ça se peut que ça soit moi. Est-ce que quelqu'un a une carte? Ben voyons donc, tu vas te calmer, Dora, là! Dora! C'est qui a chié? C'est stressé! Ben j'ai peur! Ici, c'est magnétisme. Oh my god, il y a un fantôme là-dedans. On est descendu au rez-de-chaussée qui a un look plus vieillot, donc c'était notre meilleure chance de voir une apparition. Et justement, je me suis assis dans cette chaise et en filmant avec la caméra thermale, on peut voir un fantôme avec un guiat monter les marches du château. On a poursuivi nos recherches en allant vers le sous-sol. Ça, c'était la chambre de la fille qu'on cherche. Ma cousine, d'ailleurs. Non, parlez. Non, c'est pas pour... Ah mon Dieu, excuse-moi. T'as-tu besoin d'aide, par contre? Suite à ça, mes bâtons de communication se sont agités et on s'est installés pour une session de tarot. Je brasse les cartes. S'il y en a une qui sort du paquet, c'est un signe. Ah! Mon Dieu! C'est quoi? La mort. Je suis tellement contente d'avoir cette carte-là, là. Pourquoi? Mais prenez-moi, là. On est là-dedans. Il n'y a pas un esti.
de fantômes dans cette calice de chantier-là. Non. Puis on a décidé qu'on allait créer notre propre univers hanté d'horreur. Checkez ça. Mon Dieu, Gaël, vous savez pas. Hey, on y va. Sur ce, on s'est redirigé vers notre chambre pour aller dormir. Oui, je pense que c'est une lèvre qui dépasse, madame. Oh non, ça c'est juste... C'est dans mes coutumes. OK. Puis dans l'ascenseur, mes trois imbéciles m'ont convaincu de continuer à faire des plans creepy pour faire un montage, mais c'était en fait un prank pour m'abandonner. On décolle. Et on est retourné dans la chambre pour dire bye au Ouija, mais apparemment, c'était pas la fin. Arc, je mange. Quoi? Non. T'as pété. Non, ouais, non, j'ai pas pété, je dormais. Tu dormais pas. Alors, j'ai pas pété. Je te jure, j'ai pas pété. Toi, t'as-tu pété? Non, tu essaies de mettre ça sur ma faute. J'ai pas pété. Je te jure, j'ai pas pété. Voyons, non. Les gars, avez-vous pété? Non. Ouais. Ça, c'était toi. Non? Parlez!